en a combien? Oula! Peut-être pas que des serpents aussi. Quoi? Ah, t'inquiète. Allez, viens, on y va. Il y a des rats. Non. Ça va, va là-bas et ferme les yeux. Ferme les yeux. Il t'a pissé dessus? Je te jure. Quoi? Oula, moi, y'a pas de pipi sur moi, encore moins de pipi sur moi. Tu veux qu'il te pisse dessus? Bah, justement, alors là, c'est une nouvelle veste, c'est du cuir. C'est pas du vrai cuir. Bouge pas. Non. Cuir, c'est pas du vrai cuir. Bouge pas. Non. J'ouvre les yeux, c'est mort. Vous avez mis le truc devant moi? Non. Ah, oh, t'as vu ça? Par contre, ça, c'est badant. Parce qu'il est petit, il est tout rigide. Bizarre. Ça va un peu plus vite. Oh non, je déteste. Oh, les trucs, ils sont furchés. C'est comme les cafards, je peux pas. Regarde la tête, comment il brille. Non, celui-là, il est magnifique. Oui, mais de loin. Mais de très loin, alors. Ouais, je t'ai pas comment il va vite. Je suis là, chez toi? Ouais, celui-ci, je l'ai chez moi. Ouais. Il vient... Vous savez, il est en terrarium. Moi je suis bête, j'avoue, imagine que tu marches dessus. Bah ouais, non, c'est... Du coup, qu'est-ce que c'est qu'un serpent? C'est vrai que c'est une bonne définition. Bah c'est un animal comme beaucoup d'autres, qui n'a pas de pattes, et en fait ils ont perdu les pattes au fur et à mesure de leur évolution. Comme ça par exemple, c'est une petite couleuvre qui vient du Mexique, et qui mange d'autres serpents dans la nature. Elle peut même résister au venin des autres serpents pour les manger. Et là on le voit, je sais pas si tu peux regarder un petit peu plus. Et t'as vu, il est léger, un peu bleu-blanc, c'est-à-dire qu'il est en train de muer, et du coup, ah, il a ouais. Perdu sa peau. Il est aveugle? Là il voit pas grand-chose. Ah mais c'est trop triste, donc là en fait il voit rien du tout, la caméra il la voit pas, il nous... Ouais, il voit un petit peu mais c'est léger quoi. Ok, donc en fait il est vraiment inoffensif. Ouais, complètement. Les serpents ont une queue? Exactement, c'est la partie du cloaque. Et les mâles, ils ont des hémipénis, ça c'est une femelle. Et ils se reproduisent du coup, bah, plus vite et mieux. On dirait vraiment genre en fait c'est la taille d'un asticot mais genre en grand. Genre vraiment comment il bouge et tout et tout. C'est plutôt au sol, assez sec, 30 degrés généralement au sol, avec des genre des rocailles, imaginez un peu un désert aride, avec des plantes sèches. Celui-ci je pense pas que je pourrais le toucher. Vous rendez pas compte mais il fait vraiment bader, les détails et tout, ça fait vraiment bader. Mais c'est incroyable d'avoir une passion comme ça et genre de pas trop être stressé. Quand tu l'as à la maison, genre sur le terrarium, ça bouge tout le temps et tout, c'est trop stylé. Ah ouais. Ouais, genre en mode dès que tu rentres dans la pièce. Voir ce qui se passe, c'est tout pour moi. Ok, on passe au prochain 1-0. La peur pour rien, c'est fou, hein. Là, on est là, on me dit, ferme les yeux, pose ta main, on te ramène la phobie de la plupart des Français. T'as la phobie de ça, mais vas-y, tiens, ferme les yeux. 3, 2, 1. J'ai pas de mots, je sais pas si je suis impressionnée ou si je suis juste stressée, j'en perds mon langage. Ah, un serpent. What? Genre là, il a du... C'est quel genre de... Oh, j'ai l'impression que j'ai genre super proche de moi alors que pas du... Enfin, je pense que ce soir, cette nuit, je vais faire des cauchemars. Alors, je vais voir des serpents. J'espère vraiment pas parce que c'est badin ça aussi. Je me suis toujours demandé si demain, je suis amenée à voir un serpent là sur le sol, que ce soit dans n'importe quel pays, je réagis comment? Bah, en vrai, le mieux c'est de savoir ce que c'est et ça se passe.